décevant, Les Princes 5 a succombé à l'appel de la médecine esthétique. Le candidat de télé-réalité nous a confié en exclusivité ce qu'il a fait. Mercredi 10 janvier 2018, Stevan Bachelard a fait son retour à la télévision dans Les Princes de l'Amour 5, W9. Après avoir fait des confidences sur sa fille Livia, née en mars 2015, le candidat souvent comparé à Monsieur Pokora nous a confié avoir déjà eu recours à la chirurgie esthétique. Mais contrairement à Eddie Flo ou Nadège Lacroix, Stevan n'a pas fait de rhinoplastie. J'ai fait des implants capillaires. Je trouvais que je perdais un peu mes cheveux, donc je me suis dit que si je voulais encore avoir des cheveux pour une dizaine d'années, je devais faire des implants capillaires, a expliqué le jeune homme de 28 ans. Stevan n'est pas le seul homme de la télé-réalité à avoir succombé à cette médecine esthétique. Fin septembre dernier, Nicolas Lozina se dévoilait le crâne rasé sur Snapchat. Très vite, il avait dévoilé qu'il avait opté pour une nouvelle technique utilisée aux États-Unis, le robot Herta. Le principe? Prélever des implants où il y a beaucoup de cheveux pour les implanter là où il y en a moins. Mon père est chauve et je n'ai pas envie de devenir tout égarni. Donc je préfère prévenir que guérir, confia-t-il à Pure Peau en mars 2017.